De toute façon, c'est foutu, je suis game over, mais... une puissance... pas possible quoi. Et merde, il y a une déco. Oh putain, j'ai pas vu qu'il y avait une déco. Je suis désolé. Ouais, c'est ma... En attendant que j'ai la fibre, hein, pour l'instant, je suis sur une 4G qui déconne, donc je suis désolé si ça déco les gens. Ça arrive des fois. Malheureusement. J'étais confiant parce que le dernier live, il y avait eu aucun souci à ce niveau. Mais c'est ouais, c'est la soirée de la loose. Hein. C'est la soirée de la loose. Putain, dégagé. Merde. C'est quoi ensuite, je sais plus. Ah oui. Je préfère ça. Et merde. Pourquoi j'ai bougé? Oui, les motos, attention, les motos, devant, derrière, en haut. Attention à ça et merde. J'ai plus mes yeux. J'ai plus mes yeux avec, avec des choses dedans pour voir. Hop. Il arrive quand le ours. Il arrive là. Eh hey merde, j'étais bon, putain. Putain. Ah, il fait des... Ah, il fait des bouboules. Tu as cramé, mais merde. Ça y est, putain la vache. Ouh. Je veux l'écran qui bouge tout seul. Ah oui, bah oui. Oui. C'est chaud. Merci pour le follow, je sais pas qui. Gobi Mask. Gobi Mask. Oh là. Gobi Mask, c'est ça. Bah écoute. C'est quoi ça? Je comprends pas comment ça marche.
D'accord. Ah, on peut le voir, je peux quand même le diriger, putain. Je vais digérer mon arme. C'est important de pouvoir se digérer dans la vie. Ah, elle est en surchauffe, d'accord, il y a de la surchauffe. Je sens que c'est pas la bonne strat ce que je suis en train de faire. Évacuation. C'est un peu trop le bordel, hein, à mon goût. Ah bah oui. Bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez, je fais, moi. Tu restes là. Bonne nuit, Mookie. Reste en vie, Jeannot, s'il te plaît. America, fuck you. Allez, putain, rentre dedans. Le but, c'est donc de ne pas en abuser. D'accord. Et là, comment tu voulais que je fasse? Explique-moi. Non, mais j'aime bien attaquer. Je préfère avoir l'attaque, en fait. Ah, surchauffe, merde. Ah, on peut lancer des missiles. On peut aller par là? Ah, bien sûr qu'on peut aller par là. Alors, on va essayer de garder ça pour le combat ici. Parce que autant me faire les deux. Merde. Voilà. On se débrouille bien mieux. C'est une cyberfusée. J'ai tellement froid que je bleuis. Et c'est pas que t'as froid, c'est que t'es en train de mourir en fait. Oh, il se passe quoi? Excusez-moi. D'accord. Putain, mais oh, et oh! J'ai le droit de faire des trucs ou pas, merde? Eh oh, mais c'est quoi ce commandement, putain? Quand est-ce que je... Merde, non, mais non... On va prendre la deuxième arme. Ça, je peux la violenter tout en douceur. Regarde, c'est doux comme arme, ça, vous voyez? C'est la douceur de la violence. Je suis à la fois d'une tendresse absolue et d'une cruauté incroyable. Merci, putain. Non, pas les toutous. Non, pas les toutous. Oh.
Suis-moi. J'avais pas vu ça. Merci Kion pour le follow. Arrêtez de me follow quand je joue. Merde, putain. Bonne nuit, Mouka. Bah, j'ai déjà dit. Putain, là, j'ai du mal. Voilà, qui est fait. Ok. Non, enlève-toi avec... Dégage avec ça, putain. Ça c'est bien, mais je le sens pas. Merci Arval pour le follow de la fallation. Comme vous followez bien. Ah, je peux pas aller en fait, d'accord. C'est un peu de l'arnaque ce truc. Non, on s'en fout. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, faut que je pète ça peut-être, non? Merde. L'arme de la douceur violente, vite! Ah, il est encore là. Merde. Mais je veux pas de mon spécial, putain. Ils sont chiants avec ça. Oh non, c'est pas vrai. Allez. Qu'est-ce que je fais? Oh non. Eh, tu te souviens quand je t'avais pas vu et que tu m'as tiré dessus, c'était trop drôle. Bon, ça reste quand même plus simple que... Je suis où? Le jeu l'Angry Video Game Nerd, hein. Je sais pas si vous avez déjà joué à AVGN's Adventure. J'ai failli arriver au bout du premier. Avec grande peine. J'étais tellement frustré au dernier niveau que... J'ai arrêté sauvagement de jouer à ça. Je veux pas ce tir. Là, je débloque des succès, je ne sais même pas pourquoi. Non, mais non.
Waouh. Pourtant, c'est pas si compliqué. En fait, les armes bonus, c'est plus des malus qu'autre chose. Oula, j'ai cru. Non, qu'est-ce que je fais? C'est chiant! Ouais, je peux vraiment plus y aller. C'est bizarre. Même si je repasse par là. Ouais. Je comprends pas pourquoi il y a des items si on peut pas les. Merde. C'est sympa. Eh merde. Voilà, on va enfin pouvoir avancer un petit peu. Oh, oula. C'est sûr qu'il va y avoir une merde. Et fais quoi après? Bonjour. Oh! Les gougouttes, ça fait. Ah, puis je suis game over, putain! Bonsoir, Michel Labry. Tiens, aujourd'hui, Jeannot tire un bon petit coup sur un truc qui clignote. Après, il y a du liquide vert partout. Ouais. Et Jeannot, il est malade. Ça explique beaucoup de choses. C'est les excuses de sac, hein, vous savez. Je suis malade, alors je joue mal. C'est pour ça que j'arrête pas de le répéter. Mais putain! Ah, puis arrêtez de me refoutre un tir à la con dès que je respawn, que c'est chiant. Vous avouerez quoi, merde. Ah putain, mais je veux pas de ça, bordel, c'est chier ça, en situation comme ça, c'est nul. Qu'est-ce que je fais?
Bah merde. I'm firing my laser. Ok. Ah bah oui. J'ai pas pensé à ce détail. Je vais faire quoi maintenant? Hey, pense à te déplacer en même temps que tu lui tires dessus. Oh là 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 là. Non! De ce qui se passe. Oh. Heureusement qu'ils sont pas résistants. Hein. On va quand même faire gaffe. Ah, ça se transforme en une mare de sang. C'est intéressant. Oh. Oui. Mission V accomplie. Au niveau point, c'est de la grosse zone. Hein. C'est de la photo sida si je joue mal, j'ai pas le... Ah merde, putain. Mission 6. Parce qu'on n'a pas envie d'aller se coucher. Et qu'on n'a pas de la fièvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est Megaman. Pourquoi ça, on est dans Megaman maintenant? C'est armoré d'armadillo. Oh putain. C'est un boss rush ou quoi? Non mais... Il arrive à un moment les gars. Oh. Bonjour les gens qui sont dans mon ordinateur. Bonsoir Night Sykes. J'espère que ça va bien depuis la CNU. Ah putain. Mais je croyais qu'il était mort. Ah là il est mort. C'est l'heure du gros. Qui arrive là, bien sûr. Ah, et puis forcément, ça reste et ça fait mal. Putain. Ah, oh là 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 là. Eh ben merde. C'est déverrouillé, aucune trace de caca. Oh, un one up. Ah. C'est censé être le... C'est Shredder, c'est ça? C'est sûr ça. Ah merde, il a pas fini. Wow, il est violent lui. Oh. Ok. Ah, Satan, passez lui, excuse-moi. Ah d'accord, t'es malade aussi, ok. Eh bien, bon courage. Je veux pas le super, je l'attaque. Ça bouge ou pas quand c'est... Ah non, ça bouge pas. On est tous malades pour jouer.
Ah, vous souffrez par... Vous êtes malade par solidarité, merci, c'est gentil. Ah bah oui, on va mieux y arriver comme ça, vous voyez. Finalement, le double saut, c'est peut-être pas déconnant. Ah, ça c'est un truc de pute, quoi. Quand je vais faire ça, il faut que je bouge. En fait, il faut que je bouge tout le temps, c'est ça le problème. Et maintenant, on n'a plus le double saut, hein, donc voilà. Oh, oh, oh. T'es mort, hein? Non, il est pas mort, putain, il y a une autre phase, fais chier. Voilà. C'est comment ça s'appelle? Skyblazer, c'est ça? Je sais plus. Pourquoi je saute? Oh. Pourtant, c'est pas... ça a pas l'air difficile. Ah là. Ça, c'est totalement Mega Man X. Quand tu te bats contre Sigma à la fin. Ah, c'était sûr que ça allait faire un truc par terre au sol, ça, putain. Après, il tire la bouche. Il y a un laser. Ok. On a quand même le temps de réagir un minimum. Ok. Ah, roulade. Il faut que je fasse roulade. Il faut faire roulade. Allez, maintenant, c'est le cœur. Au secours, c'est pas fini, il y a des joyales. Et il fait toujours ses trucs des mains, d'accord. Et il fait double truc des mains. Et après, il y a ça qui vont faire des trucs. Bah oui, forcément. Oh là 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 là. D'accord. Bonsoir, neuromancien 59. Et bonsoir, un peu... Ah, d'accord. Un peu Paul te le retourne. On prend attaque. Ils sont gentils, qu'est-ce que je vois quand même. Merde. J'ai fait la roulade pourtant. Fais la roulade de ses mains. Oh là, j'ai pas le temps. Mais tu vas de plus en plus vite, ma petite salope. Ou c'est Strider, je sais plus. Mais ça me fait penser à un truc, ça, quand il est avec son épée. Il me semble que c'est Skyblazer aussi qui fait ça. C'est Strider. Mais pourquoi je saute à chaque fois qu'il saute? Ne saute jamais, mais... Enfin, si, il faut que tu sautes quand il fait ça, mais... C'est dingue. Voilà. Et maintenant, il me reste plus que 2 vies pour ça. Heureusement, la première phase est gratuite. Si je fais pas le con. Ah, j'ai pas regardé que ça tirait. Voilà, il fait quoi lui? Je m'en rêve. Ah, nous rentrons dans les années 80. C'est parce que... Ça fait quoi si je tire dessus? Tout. Tout. Merde, d'accord. C'est très bizarre. Mais c'est sympa. Je comprends pas trop ce que c'est censé faire. Si je fais tous les carrés, si je tue tous les carrés, il y a un truc. Ah, je peux pas le tuer. Ah non, d'accord, ok, les carrés. Et... C'est surprenant comme, comme chose qui arrive. C'est quoi? Plateforme? D'accord. Il y a le Power Glove, c'est ça? Oh putain. Ah, c'est moi! Putain, ça c'est double, c'est double Dragon 2!
Idiote! Ah, je suis sûr que j'étais pas loin en plus. Ouais, je suis sûr que c'est la fin. Salut. Es-tu gratuit? Pourquoi j'ai fait ça? Bonjour, c'est Monsieur Stratégie. Ah mais non. Allez, ça me gratte. Ok. Ah. Attention. D'accord. Ah ouais, ça fait mal. Putain, ça tue les carrés. Ah, oh, quelle merde. Quel con. Allez, Dark Samus. Parce que Samus. Merde, je suis trop con. N'oublie pas que c'est toi. En bleu. C'est pas vrai. Allez, je le finis, ce putain de jeu. Et après, on va au lit. Et on s'élève demain, on n'est pas malade. Allez, demain, on n'est pas malade et on continue de travailler sur le montage de ce sacré mémonou. Qui ne sortira pas en fin de semaine prochaine, malheureusement. Ah non. Ah, c'est con, j'étais bien. Et j'aurais dû me mettre de l'autre côté. Game over. Comme dit Monsieur Michel Labrie. Bonjour, robot gratuit. Non, pourquoi je marche dedans? Je suis... Allez. Si tu arrêtais de jouer à des trucs idiots, tu ne ferais... Tu ne ferais une Antoine Danielite? Quoi?
Qu'est-ce que vous avez avec votre histoire d'Anton Danielite? J'ai jamais fait d'Anton Danielite, hein. Je comprends pas ce que vous voulez dire. J'ai pas arrêté mon format parce que ça me saoule. Hein. Si j'ai fait une pause dans les sorties vidéo, c'est parce que j'avais des problèmes dans la vie perso à gérer. À savoir, mes grands-parents malades. Voilà. C'est pas parce que j'avais pas d'inspiration ou je sais pas quoi. Hein, c'était un rythme ou un truc trop difficile pour moi. Hein. Rien à voir. Hein. Pas la pression du public ni rien. Non, non. J'avais des membres de ma famille qu'il fallait que je m'occupe parce qu'il y avait que moi pour le faire. Voilà. J'ai assez répété, donc merci d'arrêter de me balancer des trucs comme ça. Oh, ça y est. Et puis c'est pas fini, d'accord. Eh merde. D'accord. Ok. D'accord, il va falloir le ref... Ah, j'aime pas ces trucs de merde. Non. Je pensais... Ah non. Ouais non, c'est sûr que... C'est vrai qu'effectivement j'aime pas trop qu'on me rappelle que j'ai été absent longtemps et tout ça, surtout que ça me remet... C'était une période très... Encore une fois, c'est une période très difficile de ma vie qui m'a beaucoup traumatisé. J'en fais encore des cauchemars à l'heure actuelle, donc voilà. J'essaye juste de reprendre une activité normale et de... Voilà. De reprendre la chaîne comme il se doit, de... vous faire plaisir, de passer du temps avec vous sur Twitch en jouant des jeux vidéo. C'est pas pour qu'on me rappelle que voilà, que je me suis occupé d'une personne atteinte d'un cancer en phase terminale sans aucune aide médicale et d'une personne atteinte d'un Alzheimer profond sans aucune aide médicale non plus. Ah putain. Ouais, je fais rien. Ça sert à rien, je fais de la merde. Merde, oh merde, d'accord. Okay. Excusez-moi, je suis un peu... Je suis un peu susceptible, pardon. En même temps... C'est un moment qu'on me dit des trucs comme ça, ça commence à me gonfler un peu. Vous m'excuserez. C'est pas... Pourtant, je me suis clairement exprimé à plusieurs occasions, bien que j'estimais ne pas avoir à le faire. J'ai eu beau le dire et le répéter, et les gens n'ont pas écouté. Ça m'énerve un peu. Commençons encore à me dire que je fais une Anton Danielite, lol.
Ah merde, putain, je sais jamais. Putain, là j'ai plus que de vie. Pff. Ouais, c'est encore peu pour cette run. Hein. Ah, qu'est-ce que je fais? Putain! Sous merde! Ah putain, du coup. Merde, j'ai gagné ma défense. Allez. Eh ben, je me fais avoir à chaque fois. Ah non, pas celui-là. Putain, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Non. Vraiment garder les distances. Voilà. Et retour, monde réel. Deuxième losange, s'il vous plaît. Voilà. Deuxième monde virtuel. Et puis ça va plus vite, non? Ça va pas plus vite? J'ai l'impression que ça va plus vite. Ouh.
Ouya! Putain. Ah! Ah, c'est compliqué là! Waouh. Il fait quoi là? Attends, mais c'est Power Blade! Vous vous souvenez de Schwarzenegger? Sur Nintendo? Putain. Oui, c'est un octaèdre, oui, effectivement. C'est pas un. Putain, la vache! Ah merde. Quel con. Attention. Ouais. Ah, on peut passer à travers. Et merde. Voilà, là, j'aime pas. C'est long. Ah, j'ai du mal de savoir quand bouger en fait, ce truc de merde. Allez. Petit losange mon amour, tu es parti par là. Petit losange parti trop tôt. Merde. Eh putain. Et normalement il se calme pas. Allez, c'est fini là. Merde. C'est pas fini. Ah ouais. J'ai l'impression que Michel Labrie s'excite tout seul sur le chat. T'es dans ton petit monde. J'ai rien contre, hein. Je fais ça aussi souvent. Ouah, merde! Ah, c'est pas vrai, putain. Ah, et puis j'ai plus qu'une chance là. C'est fini.
faut qu'il soit... Eh merde. Merde. Chut. Du coup, je sais pas si t'as répondu, je réitère, tu penses passer partenaire avec les bits, abonnement, l'argent qui coule à flot. Pour l'instant, je peux pas passer partenaire, je peux être affilié, je crois un truc comme ça, mais ça prend du temps de se renseigner juridiquement après comment, comment ça se goupille tout ça. Eh merde. Je signe un contrat, je gagne plein d'argent, c'est pas comme ça que ça se passe sur internet, c'est très compliqué, surtout quand on est... Enfin, voilà, quand on essaie de faire des choses dans les cadres juridiques légaux et tout ça. Donc, pour l'instant, je sais pas trop, j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça, hein, parce que je m'occupe de pas mal d'autres choses, notamment administrativement. J'essaie de m'enregistrer à la SCAM notamment, et pour ça il faut que je passe partenaire YouTube déjà, ce qui m'emmerde un peu, enfin bref. Mais ouais, pour être partenaire Twitch, non, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Il me faut un truc du genre... Ah merde, putain, c'est difficile de parler en même temps que je joue. Mais en gros, il faudrait que j'ai... Que j'ai bien plus de personnes qui discutent... Il me semble que j'ai quasiment tous les critères, c'est juste... Plus qu'il me manque un certain nombre de personnes qui discutent en même temps sur le chat ou je sais pas quoi. Il faudrait qu'il y ait 70 et quelques... Enfin presque 80 personnes qui interagissent en direct sur le chat et je pourrais... Enfin il faut... T'as des objectifs à remplir. Je sais pas si tu sais comment ça se passe. Ah merde. Mais en gros, si tu veux devenir affilié ou partenaire, il y a des... T'as des objectifs à remplir par mois en fait. Et putain... Et là j'ai déjà rempli tous les objectifs si je veux devenir affilié. Et pour devenir partenaire, il faut... Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon tant pis, c'est pas grave. Il faut streamer... Enfin je sais plus, t'as un nombre de jours minimum à streamer dans le mois. T'as aussi un nombre minimum de spectateurs à avoir... en direct pendant les lives et je sais plus quoi d'autre et un certain nombre de jours par semaine aussi enfin bref et il me semble qu'à chaque mois ça repart à zéro ce qui serait logique et je me suis pas encore vraiment renseigné là-dessus mais enfin bref dans tous les cas il me manque pas mal de gens. Donc là, en règle générale, en moyenne, sur le chat, on va être, je sais pas, une quinzaine, ou 17, je crois qu'ils me disent. Et donc, il manquerait encore 60 personnes, quoi, pour que... Enfin, un peu plus de 60 personnes pour que ça marche, quoi. Et après, ouais, je pense que s'il y a moyen que... S'il y a moyen que je gagne un peu d'argent avec ça, oui, c'est pourquoi pas.
Bon, en ce moment, c'est un peu la dèche, hein, je vous le cacherai pas. Donc, du coup, j'essaye de trouver toutes les combines possibles et inimaginables. Enfin, bon, je vais pas non plus jusqu'aux extrêmes. Je n'ai pas fait de. J'ai pas accepté la pub de Red Shadow Legends qui m'avait proposé, que je ne connais pas le produit et que je n'y joue pas. Mais ouais, c'est pour ça que je vais essayer de voir là, au niveau de la scam et tout ça, comment ça pourrait se passer, parce que c'est assez compliqué. Assez compliqué. Du coup voilà, pour l'instant je ne suis pas partenaire Twitch. Et c'est encore pas prêt de l'être. Merde, merde, merde. Les bouboules bleues magiques. Ah non, j'aime pas quand il fait ça, j'arrive jamais. Putain, tu vas crever lui. Mais 69 double compte et que je spam. Ouais, faudrait que tu te parles à toi-même dans le chat. Parce que il me semble pas que ce soit un nombre de viewers, mais vraiment un nombre de personnes qui interagissent. Donc il me semble que les trucs genre les viewers passifs ça marche pas quoi. Merde putain. Enfin, je sais plus exactement, j'ai pas les trucs en tête parce que j'ai autre chose en tête dans ma vie que tous ces chiffres à la con. Non. Pourquoi des fois je les pète en un. D'accord. Allez, on se bat contre Power Blaze, c'est parti. En avoir plein le cul, mais je veux pas arrêter tant que j'ai pas fini parce que c'est bien. Ah, et puis la fièvre qui monte, oh, c'est merveilleux. On explique pourquoi je stream alors que je suis malade, merde. Et grincheux. Putain, ça m'énerve. Donc je vous avoue que de savoir que pour s'inscrire à la scam, il faut que... Merde ! Je devienne partenaire YouTube et donc que je monétise mes vidéos, ça me rend tout joie. C'était la... C'est les grosses réflexions de la semaine avec toutes les démarches que ça implique pour se renseigner, parce que c'est pas évident de savoir après. Parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens ce qui concerne la monétisation et tout ça et tout, comment déclarer tout le bordel. Bon, pas des gens, pas des administratifs bien sûr, parce qu'ils ont aucune idée de ce dont on leur parle bien entendu. Avec d'autres gens de YouTube qui... Ah putain, mais pourquoi je peux pas...
qui bah finalement sont pas tant au courant que ça. Et quand je leur ai parlé d'un truc que j'avais découvert pour faire des déclarations, parce qu'en fait quand vous monétisez et que vous êtes partenaire YouTube, c'est donc YouTube qui vous paye. YouTube est à l'étranger, à savoir en Irlande, magnifique pays par ailleurs, et on penserait fort à eux pour le Brexit, et du coup, ça veut dire que c'est de l'argent qui transite de l'étranger vers la France. Donc pour le déclarer, en plus de le déclarer à l'URSSAF, aux impôts et tout ça, il faut aussi le déclarer aux douanes. Et pour déclarer ce truc-là aux douanes, faut demander des trucs, des numéros d'immatriculation de TVA, de je sais pas quoi de mon cul, que je devrais avoir d'ailleurs et que j'ai pas reçu parce que je l'ai demandé mercredi. Et après, tous les mois, en plus des déclarations, enfin non, les déclarations URSSAF, c'est tous les trimestres. Mais tous les mois, et quand tu monétises et que tu reçois de l'argent de Google, tous les mois, il faut le déclarer aux douanes. Et il y a des gens qui ne l'ont pas fait et qui se sont retrouvés, parce qu'après, si tu le fais pas, c'est une amende de 700€ par mois non déclaré. Même si tu touches 50 balles ou que dalle, quoi. Et bah, faut déclarer. Il y a des gens comme ça qui se sont retrouvés avec des milliers d'euros à devoir. Après un contrôle fiscal. Paf! Donc, comment? Toutes les belles histoires hein, qu'on vous raconte sur la monétisation YouTube et tout ça. Hein, bon, je suis très mal parti, je vais me laisser tuer parce que ça va pas, ça marche pas. Vas-y, béton. Toutes ces belles histoires qu'on vous raconte, bah. Devenir riche grâce à YouTube et tout ça. Hein, mon cul! Après, je sais pas, il y en a effectivement qui sont devenus riches, mais après, on ne sait pas qui est en règle et qui n'est pas en règle dans ce vaste monde. Et les gens qui ne sont pas en règle, la plupart du temps, ne savent même pas qu'ils sont en règle d'ailleurs. Enfin, qu'ils sont pas en règle. C'est aussi ça qui est fou. Ça, faut vraiment se renseigner à blinde, quoi. Je trouve ça horrible. Puis moi qui ai une phobie administrative. Mais de toute façon, ce dont je parlais là, les histoires de frais de douane et tout ça, enfin de frais de douane, de déclaration aux douanes, ça, il y a aucun frais là-dessus, quoi. C'est juste qu'il faut déclarer, quoi. Mais t'es pas encore retaxé, ce serait un peu abusé, quoi. Ah, j'ai pas vu, il a l'œil qui brille avant qu'il fait son truc. Ok. Oh, on en apprend tous les jours. Il est censé ignorer la loi. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Ça c'est con, j'ai grillé une vie pour rien quoi. Une vie puis ma puissance de frappe sont passées à la trappe. Bon, j'ai mieux géré. Ouais, je me pète. Merde, mais non, putain. Ah ouais, non, mais même les gens qui sont censés savoir ne savent pas, hein, c'est ça qui est dingue. Après, on va te reprocher
genre d'avoir fraudé entre guillemets, mais non, c'est juste que c'est tellement, le système est tellement opaque et mal foutu et on te renseigne tellement pas sur ce qu'il faut faire que voilà quoi. C'est normal d'être paumé. On croirait presque que c'est fait exprès. Mais bon, dire ça, ce serait être complotiste. Apparemment. Ah. J'avoue, complotiste. Non, bah après, moi, je vous parle de mon expérience, hein. YouTubeur, enfin vidéaste sur internet, c'est pas si facile et si gagner de la thune, c'est pas évident. Et le peu que tu gagnes, bon après moi, je suis à un micro niveau, n'est-ce pas? Et je vous avoue que là, je suis un petit peu. Un petit peu mal parce que Tipeee et YouTube, bah, ça suffit pas malheureusement pour vivre et la fin d'année c'est chaud. Et merde, pourquoi je m'embarque là-dedans? Je sais très bien que ça va mal se passer. Donc voilà, c'est pour ça que je commence à réfléchir sérieusement à des alternatives. Enfin, des alternatives, à des compléments, on va dire. Mais merde, putain, c'est casse les couilles, ça aussi. Heureusement que... il n'a pas une portée de fou, quoi. Putain. Et là, le boss est pas fini. Victoire, salut le visiteur, bah t'arrives, voilà. J'ai fini le jeu. Avec beaucoup de mal. Oula, plein de succès débloqués. Mission 6, Captain, Lieutenant, d'accord. Le stream va peut-être aider à terme, non? Je sais pas. Peut-être, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, j'ai pas activé tout ce qui est don en direct. Enfin, je sais pas trop comment je me positionne par rapport à ça. Puis aussi, c'est pareil, il y a des mécanismes à prendre en compte. Il y a des trucs dont il faut se méfier. Comme les chargebacks sur PayPal, les machins comme ça. Enfin, c'est très compliqué. En fait, c'est pas si simple. Enfin, si, c'est simple à mettre en place. Il suffit d'appuyer sur des boutons. Mais pour appréhender pleinement les conséquences de tout ça et être en règle, c'est bien plus complexe. Le noyau est détruit. Les machines de la capitale The Mountains ne peuvent pas fonctionner sans énergie. Oh, la petite Samus. Samus, pardon, en mode Sengoku. Les boobs, non, c'est pas les boobs, c'est donc. Mal équipé, nous faisons face à un ennemi qui contrôle la majorité de la planète. Il serait pas en se mettant en majeur dans le... qui continue à changer et voler notre humanité. Ah, je veux le Shinobi, je veux jouer avec Strider. Et pourtant, ensemble, nous avons vaincu. Yeah. J'aurais peut-être dû jouer en regardant le retour, ça aurait été peut-être... peut-être que nous avons juste besoin de temps avant de frapper à nouveau. Oh, elle va chialer. Non, c'est l'espoir qui brille dans ses yeux bleus. Ah, c'est beau. J'ai pété de joie sur mon chat qui est assis sur mon cul. D'accord, merci beaucoup. Je dis c'était très... oh, un petit... allez, un petit générique de famille. Mon noyau dur est détruit. Les machines capitalistes ne peuvent fonctionner sans argent indexé sur le coût du pétrole. Nous faisons face à... oula, il y a une petite musique, ça. Les héros ne pleurent pas.
J'ai envie de me mettre un bandeau fluo là sur la queue. Let's Fighting Love, ouais, c'est vrai qu'il y avait un peu de ça. Merci pour le follow, le MJ trop gentil. Let's Fighting Love. C'est exactement le même rythme. Subarashi Chichi Mono. Je connais pas la suite. Enfin, je connais plus la suite. Taketsu no Mono, protect my boss. Désolé, je peux pas chanter fort. Déjà, j'ai des voisins en dessous qui dorment. Et comme je l'ai pas assez dit pendant le stream, je suis malade. Ah, vous voyez, je veux un Bordeaux fluo. Je suis malade, complètement malade. C'est vrai. Je me ferais bien un truc avant d'aller dormir. Je veux dire un truc à boire. Ouais, mais c'est un bon petit jeu. C'est un bon petit jeu sympathique, ça fait quoi, 3 heures? Ouais, 3 heures quand même. Mais ça aurait pu faire moins. Et puis après, bah, on a débloqué de nouveaux gens, de nouveaux personnages, puis il y a le mode difficile aussi, mais bon. C'est juste comme ça, c'est pour, juste pour le dimanche soir, pour la détente. C'est sans jeu Serge Lama sans prérogative. Ouais, nous sommes des sprites. Non, elle a tellement la classe, cette espèce de Samus Sangoku. Super Saiyan 3. Difficulté hardcore débloquée. Débloquer non. C'est fait exprès. Oui, nous avons débloqué Régin et Suella. Elle doit suer beaucoup. Le mode d'assaut de boss et le mode miroir. Putain, dis donc. Merci d'avoir joué. Ah, j'aurais mis ER à jouer pour être cohérent. Score final, d'accord, 60 minutes. On a mis... Non, on n'a pas mis 60 minutes. C'est quoi ce délire? Brazil Crow. D'accord, d'accord. Assaut de boss, d'accord. Oh, putain, la vache. C'est infini. Oh non, c'est pas si infini que ça. Normal hardcore. Et après, on a donc là, non, là, les... Ah, il y a le mode Halloween aussi. Et il y a le mode miroir, d'accord, ok. Et après, pour... Wouah, Régin. Et je suis là. D'accord, ok. Ok, ok. C'était sympathique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que... Bah, prochain stream mardi soir. En principe. Si je suis en forme. Sinon, je pense qu'il n'y aura pas de stream. À voir. Ce sera, je sais pas, peut-être qu'on finira Donkey Kong ou peut-être que je ferai un nouveau jeu. D'ici là, bah, y aura les rediffs sur Popol Gaming, la chaîne des grosses baltringues. Tant de choses à faire, go 100% le jeu. Non, j'ai pas envie. Euh, 21XX après JC. Après John Connor, donc. Hein, des... Je l'envoie le jambon dont je nie nulle part, merci. Oui, t'es arrivé un peu tard à Arnbjorn TV, mais c'est pas grave. Après Jean-Claude, c'est ça. Donc voilà. Les rediffs sur Popol Gaming dès demain. Et dès demain, je reprends le montage sur Mémon Loup 17 qui sortira malheureusement pas à la fin de la semaine prochaine. J'espère le sortir pour la fin de la semaine d'après, mais ça va être long parce que. J'ai pas fini de monter, je suis en train de terminer de monter la deuxième page de script sur cette page. Donc voilà. Et j'ai eu beaucoup d'empêchements ces deux dernières semaines, ce qui fait que j'ai pas beaucoup avancé dans le montage. Puis bon, j'ai eu 4 jours avec la convention, tout ça. Mais bon.
J'ai pas fini de monter, non, j'ai pas fini de monter. Donc voilà, j'espère que... J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Et puis un bon début de semaine aussi, pour ceux qui bossent comme pour ceux qui bossent pas. Des bisous, gardez la web attitude. Et m'aimez-vous, tout ça, et puis... à la prochaine, à mardi soir si tout va bien. Ou sinon à jeudi. Des bisous.